Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, assure-toi que jamais personne n'a joui des mêmes avantages que toi. Quand tu auras envie de rabaisser quelqu'un, souviens-toi de ce que tu ressentais lorsqu'on t'a toi-même humilié. Et quand tu voudras monter dans le ciel, plus haut que les nuages, plus haut que les étoiles, rappelle-toi que plus personne ne t'aimera. Car tu seras beaucoup trop loin de ce qui rend un homme heureux. David! David! Oh, t'étais loin, là! Ouais, j'étais ailleurs. Bah, j'ai bien vu! Hey, t'as entendu la nouvelle sur Amélia? C'est qui, Amélia? Non, mais si, tu sais, la petite brune avec des lunettes rondes. Dans notre classe en terminale, elle était toujours la première en tout. Tu te souviens pas? Bon, qu'est-ce que t'as? De quoi? Ça fait des semaines qu'on s'est pas vus. Quand je te propose de sortir, t'as toujours un truc de prévu, et quand on se voit, je sais pas... T'es bizarre. T'as la tête ailleurs. Écoute, je te dis que ça va. T'as fait pas de film. Ah bah t'es mon ami, évidemment que je me fais du souci. Tu sais, c'est à chaque fois qu'on se voit, tu poses plein de questions. Oui, mais depuis quelques temps, tu te laisses aller. Enfin, on te voit pas, tu viens plus aux soirées... Ah, forcément, je viens plus aux soirées, donc ça va pas. Arrête de prendre ton air sarcastique, j'aime pas. Ce soir, il y a les anciens terminales qui se retrouvent dans ce bar. On va boire quelques bières, on va rire, ça va être sympa. Il y aura Chris, Loïc et peut-être même Seb. Tu devrais venir, Chris, Loïc, Seb. Super. Ah, c'est super. Il y aura Loïc, Chris, Seb. Ah, ça va être la soirée de l'année, ouais. Écoute, tu sais quoi? Si je t'évite autant, c'est parce que je peux plus te voir. Parce que je sais que tu vas essayer de me poser un milliard de questions là, juste pour pouvoir raconter tes petits potins de merde là. Alors laisse-moi tranquille. Ah tiens, qui voilà? Ça va? Tu t'es bien baladé? Ouais, j'étais avec une amie. Ouais. J'ai pas mal de devoirs à faire pour demain. Attends. Assieds-toi. J'ai des choses à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte? Je sais pas, moi, t'as pas une petite idée? Non, parce que moi, je sais, tu vois. Tu pourrais peut-être aller à tes cours, essayer de construire un avenir stable et équilibré, et puis éviter à ton père les coups de fil de l'université qui m'annonce que tu vas plus en cours. J'ai pas pu. Et de plus, ne me mens pas avec tes foutus devoirs à faire. C'est comme ça qu'on t'a éduqué, moi et ta mère? C'est comme ça qu'on t'a éduqué? T'as rien à dire? Allez, sois honnête! Tu veux que je sois honnête? Ok, je vais être honnête. Depuis que maman est partie, je veux me barrer d'ici. Je trouverai des petits boulots à droite à gauche, je sais pas, mais... Si je reste ici, mais je vais péter un câble! Non, mais tu crois sincèrement que tu vas pouvoir vivre avec des petits boulots toute ta vie? Mais j'espère que tu fais esprit d'être con! Il te faut la sécurité de l'emploi, sinon tu t'en sortiras pas! Je trouverai ma voie plus tard! Tu t'en sortiras pas! Je veux pas d'une vie rangée comme la tienne. T'as 8 heures boulot, 16 heures course, 20 heures télé, et bonne nuit. Tu vis pas, tu te contentes de survivre. Et je veux pas être comme toi. Petit con. Ah ouais, très bien. Tu veux vivre la grande vie, mais grand bien te fasse. Tu sais quoi? Tu vas la commencer maintenant!
Allez, tu dégages de chez moi! Dégage! Putain! C'était tellement plus simple quand t'étais là. Dis-moi quelque chose. N'importe quoi. Aide-moi. Aide-moi. Imagine que tu pars je ne sais où, avec très peu d'argent, découvrir le monde. Puis tu tombes sur la femme de ta vie. Vous restez ensemble, quand du jour au lendemain, elle t'annonce qu'elle est enceinte. T'as pas beaucoup d'argent. Tu peines déjà à subvenir à tes besoins, avec des boulots de serveur mal payés. Alors, assumer un gosse, hein? T'es pas prêt, David. T'es pas prêt. On sait jamais de quoi est fait demain. Va falloir que tu trouves un travail qui t'en fasse baver, sans compter tes heures, et oublier l'aventure pour de bon, pour donner à ce gamin une vie décente. Alors je t'en conjure, David, profite de la vie. Mais ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Il me manque tellement, tu sais. Moi aussi. Tu veux en rire? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Plutôt quoi, corset, dos? Je veux, peu m'importe. Okay. T'appelles comment? Daphné. Super, j'adore ce prénom. Ah, c'est tombé. Ok les amis, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bah oui, évidemment. Ce soir, c'est soir chaud, les filles. On est chaud, wow. Vous avez des verres? Ah oui, oui. Ok, on y va? Ok, on y va, ah, allez, super. Ah bah tiens, Monsieur Bougon est là. Je croyais que t'aimais pas quand on était sarcastique. J'ai changé d'avis. Ça te dirait de danser, pas? Parce que toi, tu sais danser. Non. T'as toujours essayé? Je me débrouille plutôt pas mal. Querida, no te necesito. Tú quieres.
Not what you want, not what you find. Not here for a year, not here for your life.